Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va tester encore la différence entre les légumes Salut cuits chef. vapeur. Non, ça va? Bon, alors tu disais, on va faire quoi? Bon, Gaëtan, puisque tu es là, ça tombe bien. Mais t'arrives, il n'y a plus de travail, tu sais. Donc, différence entre rôti et vapeur. Tu vas voir la différence comparée à des asperges ou autres, c'est assez bluffant. Parce que là aussi, il y a beaucoup de fibres. Hein. Ah, là, encore une fois, fibres dans la longueur. Ah bah, voyons ça, on va tester. Donc, allez, dans le four. Ça te parle plus que la vapeur. Ah ouais, la matière grasse, évidemment. Tout de suite. On n'attend pas que le beurre soit trop noisette, parce que sinon c'est mort. Hein. Vite chef, je crois que c'est prêt ici. C'est bon? Ouais, ah bah ici aussi. Bah tu peux les sortir alors. Ok, c'est parti. Allez, on goûte? J'ai pris celui que tu voulais. Ouais. Eh ben clairement, moi perso je choisis celui cuit vapeur. Et alors tu vois, la démonstration d'aujourd'hui, ça prouve que la gourmandise, ça n'a pas toujours besoin de matière grasse. Et ça c'est important. C'est vrai. Bon appétit à tous. Monde.